Le Blanc Mont, à 5 km au nord du village de Sommepy-Tahure, direction Saint-Étienne à Arnes, s'élève le Blanc Mont, qui culmine à 210 mètres en limite des Ardennes. Créé par l'architecte Arthur Loomis Harman, cette tour carrée de 20 mètres de haut domine le plateau. Construite en pierre jaune, dite cruchot, venant de Saône-et-Loire, elle est entourée de sapins datant du Second Empire. À son sommet, on découvre l'intérêt stratégique de ce lieu, point culminant des collines de Champagne. L'ensemble du lieu, appartenant au territoire américain, représente une surface de 4,50 hectares. Quelques marches conduisent sur une plateforme de 330 mètres carrés, entourée de 800 rosiers rouges. Une ascension de 77 marches est nécessaire pour arriver au sommet. Par temps clair, le panorama permet d'apercevoir le fort de Douaumont et le massif de l'Argonne à l'est, les villages ardennais au nord et les deux camps de Suippes et Mourmelon. Au pied de la tour apparaissent les vestiges d'une tranchée allemande qui traverse cet espace sur 300 mètres nord-sud. Cette tour a été érigée en 1930 en souvenir des combats de juillet et surtout de ceux du 3 au 9 octobre 1918 où furent tués 5000 officiers et soldats américains. La 5e et 6e division de marine et la 2e division de l'armée de terre les avaient rejoints en octobre.